Bonjour et bienvenue à tous pour ce cours de handstand niveau intermédiaire. On commence avec un peu d'ouverture d'épaule, 4 stretch légèrement modifiés. Placez vos mains contre un mur, alignez vos genoux avec vos hanches et pendant une petite minute, je lance le chrono. Vous allez pouvoir jouer avec la position de votre bassin en venant arrondir et creuser le dos. Ce que j'essaie de faire pendant ce mouvement, c'est vraiment de garder mon front proche du sol. Donc je garde cette ouverture d'épaule. Le mur en plus m'oblige à avoir les épaules plus ou moins actives, à les pousser vraiment vers l'avant. Et je garde vraiment cette amplitude au niveau de mes épaules pendant que je joue avec mon bassin. Donc venez tout doucement réveiller et ouvrir vos épaules. Pas besoin d'atteindre un très très gros stretch pour cette première partie de votre cours. Commencez toujours doucement. Soyez conservateur. Et ressentez vraiment un léger stretch d'environ 6 sur 10. Pas besoin d'aller au-delà. 5, 4, 3, 2, 1. Vous allez pouvoir engager directement les mains au sol. Et là, ce que je vais faire, c'est simplement basculer de l'avant vers l'arrière. Pareil, mes mains sont ouvertes à peu près de la largeur de mes épaules. J'ai les mains bien en face, les poignets bien en face de mes épaules. Et je vais chercher à basculer mon poids de l'avant vers l'arrière. Je ressens normalement une petite tension au niveau de mes poignets. Ça commence à créer cette amplitude et cette pliure que je vais avoir, notamment lorsque je vais avoir la tête à l'envers, en handstand. Et je n'hésite pas à basculer de la gauche vers la droite. Pareil, je shift mon poids à gauche, puis à droite. Et je vais faire la même chose avec les doigts vers mes genoux. J'essaie de venir vers l'avant, vers l'arrière. Sur celui-ci, j'essaie de ne pas décoller mes paumes de main du sol. Je les garde ventousées. Donc si c'est un peu trop dur, n'hésitez pas à rapprocher vos genoux un peu plus proche des doigts. Je pars sur une deuxième série de 4 stretches. La même chose, je replace mes mains contre le mur et je viens encore jouer avec mon bassin pendant une petite minute. Si vous voulez, sur celui-ci, déjà vous avez ouvert vos épaules sur la première série, donc je peux potentiellement aller plus loin sur celle-ci. Si c'est le cas, allez-y. Et rappelez-vous de ne pas bouger votre tête ou ne pas fermer vos épaules quand vous jouez avec votre dos. Au contraire, je viens garder ma tête bien proche du sol. C'est l'intérêt de l'exercice. Gardez une respiration contrôlée dès le début de votre cours par le nez, c'est le plus simple, c'est le plus agréable et c'est ce qui surtout vous permet de garder du contrôle sur ce que vous êtes en train de faire. Respiration bien contrôlée à l'inspire et également à l'expire. Encore quelques secondes. Cette position, ce jeu avec la position du bassin est très importante. Pourquoi ? Parce que lorsque vous allez faire votre handstand, justement, c'est cette position-là qu'on va vouloir. Serrer les fesses, et comme si un vase que je versais vers l'arrière, votre bassin va exactement avoir ce même mouvement de se verser vers l'arrière pour notamment solidifier la partie haute et la partie basse du corps. Okay. Directement, je repars sur mes petits stretches, je repars sur mes petits balanciers, de l'avant vers l'arrière. J'intensifie un tout petit peu le poids que je vais mettre à l'avant de mes doigts. Vous avez vu, je passe peut-être un peu plus de temps lorsque ça stretch. C'est de prendre mon temps et sentir un peu ce qui se passe. Est-ce que je sens mon poids dans les doigts? Est-ce que ça fait plus mal à gauche, plus mal à droite? Alors, mal, c'est pas censé faire mal, c'est censé stretcher. Et c'est une petite douleur, bien contrôlée. Pareil, de la gauche vers la droite, encore une fois. Et une dernière fois, les doigts vers les genoux. Et pareil, je peux accentuer un tout petit peu l'étirement en reculant un peu mes genoux par rapport à la première série. Normalement, mes poignets sont un peu plus préparés. Donc je m'adapte. Plus je me sens chaud et plus je peux trouver l'amplitude, trouver de tension, trouver le stretch. Quelques secondes.
et relâcher. On part sur une troisième série, c'est important de bien préparer ses épaules et ses poignets. C'est la dernière, et là, on va changer un tout petit peu, et plutôt que de venir jouer avec sa position du bassin, on va garder cet engagement qu'on avait, le fait de serrer les fesses et d'arrondir le bas du dos, et pendant une petite minute, c'est parti, je vais venir créer des petites pulsations. Hop, je rapproche mon front du sol, en gardant les épaules plus ou moins activées. Activées, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que mes épaules sont pas loin de mes oreilles, mais elles sont plutôt proches de mes oreilles. Imaginez que vous voulez boucher vos oreilles avec vos épaules. Et je continue de garder les fesses serrées, le bas du dos arrondi, et de créer mes petites pulsations. Vous avez vraiment un mouvement dynamique. Pareil, je vais pas chercher trop loin. Vous allez voir qu'au fur et à mesure des reps, votre épaule va pouvoir s'ouvrir tout doucement. Donc, respectez naturellement ce que votre corps vous propose. Encore 15 secondes. Souvenez-vous de garder ce bassin bien activé, versé vers l'arrière. Les épaules presque dans les oreilles. 3, 2, 1 et relâchez. On va changer légèrement l'étirement pour les poignets. Je vais venir placer le dessus de mes mains contre le sol. N'hésitez pas à commencer les genoux assez proches. C'est un étirement vraiment qui est assez intense pour les poignets. Donc je commence assez proche de mes genoux. Et là, j'ai simplement gardé ma pliure du coude vers l'avant et chercher des petites bascules, pareil, de l'avant vers l'arrière. Là, l'amplitude des bascules sont vachement réduites, c'est normal. L'étirement est un peu plus intense, comme je vous le disais, donc allez-y progressivement. Pareil, si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à reculer légèrement vos genoux. J'aime bien y aller très doucement sur le warm-up, vraiment sentir mon corps s'échauffer au fur et à mesure, et augmenter l'intensité quand je me sens prêt. Un tout petit peu les poignets, les épaules. Et dernier étirement qu'on va faire, de manière active cette fois-ci. Là, plutôt que de simplement s'asseoir sur les talons, en gardant les paumes de main collées au sol, je vais venir arrondir le haut de mon dos, jouer avec la position que j'avais tout à l'heure, mais regardez bien, le haut de mon dos est vraiment arrondi. J'essaye d'éloigner mes omoplates l'une de l'autre vers l'extérieur. En gardant ce dos bien arrondi, là, je vais chercher à faire exactement le même mouvement. En gardant mon activation des épaules, vous allez sentir vraiment que le stretch est un peu plus intense. Le dos reste toujours bien arrondi. Encore pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez. Top. Le premier combo qu'on va faire pour le handstand va être très simple. Je vais reprendre ma position de body deadline, qui est une position essentielle, et même si vous êtes déjà très avancé dans votre handstand, c'est une position vraiment que je recommande à chaque début d'entraînement. Pourquoi? Parce qu'elle permet de remettre les bonnes tensions dans votre corps et de se rappeler comment on doit se tenir quand on aura la tête en bas. Là, j'en profite du coup d'avoir le ventre au sol, de venir simplement serrer mes pieds, tendre mes bras. Si je le peux, je peux coller mon front toujours en regardant mes mains. Si c'est trop désagréable, je colle mon front. Et je vais me concentrer sur cette position, sur les fesses. Regardez mon bassin, je vais exactement avoir la même position. Je vais serrer mes fesses, arrondir le bas du dos. Et ici, vous ne voyez pas, mais je peux passer vraiment ma main sous mon ventre. Donc la position est celle-ci. Hop. Et je vais maintenir la tension pendant 30 secondes. Et c'est parti. Donc souvenez-vous, assurez-vous d'avoir les talons, les pointes de pied collées, les cuisses contractées, les fesses contractées. Est-ce qu'une main peut passer sous votre ventre? Est-ce que votre menton ou votre front est collé au sol? Où est dirigé votre regard? Si c'est votre menton qui est collé au sol, dirigez votre regard entre vos mains. Relevez les paumes de main et activez les épaules dans les oreilles. 3, 2, 1. Tout de suite, sans transition. Vous avez le mur derrière vous. Je vais revenir simplement poser un pied, puis l'autre. Me rapprocher le plus possible. Bien évidemment, si je ne peux pas me mettre poitrine collée au mur, je peux me reculer légèrement. Et je vais tenir comme ça 30 secondes en essayant de recréer la même ligne. C'est parti. Respirez toujours par le nez. Et là, pareil, recheckez. Est-ce que vous avez les talons et les pointes de pied collées? Est-ce que vous avez les fesses serrées? Est-ce que vous avez le ventre rentré? Est-ce que vos épaules sont dans vos oreilles?
Encore quelques secondes. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et accompagnez tout doucement votre mouvement. Super. Top. Alors, si vous n'êtes pas capable de coller votre poitrine, c'est pas grave. Si vous n'êtes pas capable de tenir 30 secondes, c'est pas grave non plus. L'idée simplement est de transférer la position qu'on a fait d'abord à plat ventre sur une position de la tête à l'envers. Okay, vu qu'on a juste créé la tension avant, c'est beaucoup plus facile de savoir ce qui se passe et est-ce qu'on est dans la bonne position lorsqu'on est en inversion. Pendant la récupération, on va chercher un petit stretch dynamique. Je vais venir me placer sur une jambe, décoller l'autre jambe. Je vais mettre sur le côté, vous verrez mieux. Ici, je vais venir donc garder mon pied dans l'alignement de la cheville, ne pas toucher le sol, ne pas toucher ma cheville. Je vais une main sur le ventre, une main sur le dos. Et je vais venir pousser les fesses vers l'arrière et descendre en gardant le dos le plus plat possible. Je sens avec ma main à l'arrière. Si je vais trop bas et que ma chaîne postérieure ne me le permet pas, hop, je vais arrondir légèrement. Donc, je m'arrête juste avant ça. On part du coup sur 5 répétitions. C'est parti. 1. 2. 3. 4. Une dernière répétition. On tient 10 secondes en bas. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4, 3, 2, et relax. La même chose de l'autre côté. Placez cette fois-ci la main droite dans votre dos, la main gauche sur votre ventre. Faites en sorte d'avoir la forme de votre main qui épouse la courbure de votre dos. Et vous serez sûr comme ça de garder le dos plat le plus longtemps possible. 1, 2, 3. 4, une dernière, et c'est parti pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Cool. On va pouvoir repartir directement sur les body drill line. On va faire 3 séries au total. On part du coup là sur la deuxième série. Serrez les pieds, serrez les fesses, décollez le ventre, et c'est parti pour 30 secondes. Ça, ne pas bloquer votre souffle. Essayez constamment de checker les pieds, les fesses, le ventre, les épaules. Dès que c'est fait, on arrive au niveau des épaules, je repars en bas. Les pieds, les fesses, le ventre, les épaules. Pour 5, 4, 3, 2. Placez un pied sur le mur. L'autre, rapprochez-vous. Juste ce que vous pouvez, sans forcer, et c'est parti pour 30 secondes. Les pieds, les fesses, le ventre, les épaules dans les oreilles. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et accompagnez votre mouvement tout doucement. Top. Rappelez-vous, le stretch dynamique, on repart une deuxième fois dessus. Restez sur la jambe gauche d'abord. Placez votre main droite sur le ventre, votre main gauche dans le bas du dos. 3, 2, 1, et c'est parti. 1, 2, 3, une dernière répétition et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Passez de l'autre côté. Restez sur le pied droit. Décollez votre pied gauche. Attention, je touche de temps en temps le sol pour me stabiliser, mais rappelez-vous de ne pas constamment avoir le pied appuyé contre le sol, ni même avoir le pied appuyé contre la cheville. Très important. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, une dernière pour 10 secondes, 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top. On part sur la dernière série. Allez, courage. Pareil. Je reprends la même position. Pied serré. Fesse serrée, cuisse serrée. Je colle le ventre. Et c'est parti. Continuellement, regardez ce qui se passe. À chaque endroit clé, à chaque position de votre corps, est-ce que les pieds sont bien serrés? Est-ce que les fesses sont serrées également? Le ventre décollé. Les épaules un maximum poussées. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la nuque dans ma position, n'hésitez pas à regarder simplement le sol. Si vous regardez le sol, collez votre front. Il faut qu'il y ait vraiment une partie de votre visage qui se colle au sol pour créer la ligne la plus parfaite possible. 3, 2, 1. C'est parti, dernière série avec moi. Placez un pied, placez l'autre. 3, 2, 1. Et c'est parti. Et tout doucement, accompagnez la descente. Hop. Super. Bien joué à tous. Alors, on finit cet étirement dynamique qu'on a fait sur une jambe et on passe du coup à un deuxième exercice pour l'inversion. 3, 2, 1, 1, 2, 3. 4, et la dernière, souvenez-vous, on tient pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, relâchez. Alors vraiment, vous devez bien sentir que ça chauffe, ça étire pas juste, mais que ça chauffe. Pourquoi? Parce que vous êtes obligé de contracter votre muscle à la fois pour stabiliser votre hanche et pour remonter dans votre position. Donc c'est un étirement qui est très très efficace parce que quand on suit une contraction à un étirement, ben ça multiplie et les bénéfices, ça permet simplement d'accéder à plus d'amplitude plus facilement. C'est vraiment notre but. Là, on part sur la jambe droite. Là, pareil, je ne m'appuie pas sur le sol ni sur ma cheville. Et c'est parti pour 1, 2, 3. Je contracte ma cuisse pour remonter et je l'étire pour la descente, mais toujours avec un contrôle musculaire. 4, et une dernière pour 10 secondes, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et relâchez. Top. Soufflez un petit peu, buvez un coup d'eau si vous avez votre gorge à côté de vous. Essayez pareil, comme moi, je parle un petit peu, ça m'essouffle. Mais si vous êtes un peu essoufflé par rapport à ce qu'on a fait avant, posez-vous, respirez par la bouche comme vous le pouvez. Et dès que vous sentez que vous reprenez du contrôle sur votre souffle, respirez par le nez, simplement pour reprendre du contrôle sur votre position, vos mouvements, et être beaucoup plus apte à bien travailler, à travailler de manière qualitative. On part du coup sur le deuxième exercice. J'ai inventé ce nom, j'ai pas inventé le mouvement, mais j'ai inventé le nom simplement parce que je sais pas comment il s'appelle. C'est le scissor handstand. Et ce que je veux ici, simplement, c'est trouver mon équilibre en gardant les pieds plus ou moins écartés. Ça va ressembler à ça. Donc vous avez vu que mes pieds restent écartés, attention à ne pas les rapprocher du sol, mais à les emmener vers le plafond. Ce que je veux ici, c'est garder mes mains à peu près à 50 cm du mur. Simplement parce que plus vous avez les pieds larges, plus ils sont proches du sol, plus proches de votre centre de gravité et plus c'est simple à maîtriser. Donc vraiment, si ça ne vous fait pas trop peur, regardez, je démarre vraiment mes mains à peu près 50 cm voire plus. Et là, ce que je vais faire pendant une petite minute du coup, c'est lance mon chrono, hop. C'est le lancer. Vous pouvez partir en même temps que moi.
Et pendant une petite minute, j'ai essayé de tout doucement shifter mon poids plus, un peu plus dans mes paumes de main pour sentir mon pied qui se décolle. Attention, j'essaye de ne pas sauter. Si je tombe de l'autre côté, bah, c'est pas grave. Je peux secouer un tout petit peu les mains, je les repositionne correctement. Et c'est reparti. C'est une minute de tentative. Pas besoin de rester très longtemps en suspension. L'idée, c'est commencer à comprendre sur quelle partie de ma main et comment je vais gérer mon équilibre une fois que j'ai ni l'aide du mur, ni l'aide de quoi que ce soit. Vous pouvez rester encore quelques secondes. J'écarte un tout petit peu les mains de la même manière. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de rester une minute la tête en bas. D'accord? Ça peut être des petites séries de 10 secondes, 20 secondes. Et plus vous serez endurant, et plus ce temps va pouvoir s'allonger. Et maîtriser votre descente. Pareil, j'aime bien les stretches dynamiques. On va en avoir un deuxième ici. Ça s'appelle le pigeon stretch. Pareil, je vais le modifier légèrement pour venir ici, regardez bien, tendre ma jambe arrière, placer ma jambe droite entre mes deux mains. Et je vais garder ma jambe arrière tendue pour pouvoir ici simplement ouvrir mon genou vers l'extérieur. Attention à ne pas complètement déhancher, mais à garder votre hanche bien en face du tapis. On part pour 10 répétitions à droite. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et comme sur l'autre exercice, 10 secondes en bas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Asseyez-vous sur les genoux, soufflez un petit peu. Passez sur l'autre côté. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui va venir se tendre derrière. La jambe gauche qui se place entre les deux mains. Et je viens l'ouvrir pour 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et la dernière pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et relax. Top. Deuxième série, scissor handstand, pareil. Rappelez-vous, je place mes mains assez loin du mur et je me lance. C'est parti pour une minute de travail. Allez-y doucement. Décollez vraiment avec un maximum de subtilité. C'est très léger. C'est très, très, très léger. Commencez à comprendre ce qui se passe au niveau de vos mains. Vos mains restent actives, rappelez-vous, c'est un peu comme des araignées dans le sol. Donc le bout des doigts est planté, le milieu du doigt est décollé du sol, la paume de main est ventousée. Je décolle, je reviens sur le mur, je tombe sur le tapis. Checkez les épaules, checkez les poignets quand vous avez un peu de récupération. Entre deux séries. On repart, il reste encore une vingtaine de secondes. Donc rappelez-vous, hein, quand je décolle, ce n'est pas pour aller vers le bas. C'est vraiment pour garder mes pieds vers le haut. Je vais vers le haut, un maximum. 3, 2, 1. Et relâchez. Cool. Soufflez 10 petites secondes avant de repartir sur le stretch dynamique qu'on a fait juste avant. Placez votre pied droit entre vos deux mains. Votre jambe gauche tendue à l'arrière. 3, 2, 1 et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et la dernière, 10 secondes, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cool. Passez sur les genoux, on repart vers l'avant, jambe gauche à l'avant, jambe droite à l'arrière. Et c'est parti pour 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et la dernière pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, chouette. Allez, j'aime bien travailler sur 3 séries. Ça permet de bien comprendre le mouvement, de bien l'assimiler, et sur la dernière série, de travailler avec un peu de fatigue. Ce qui peut être intéressant, pas trop non plus. Et là, du coup, on va terminer donc sur cette dernière série, avec moi pour 1 minute. 3, 2, 1, et c'est parti. Les mains, rappelez-vous, sont de la largeur de vos épaules, pas plus large. J'écolle tout doucement. Je tiens ce que je peux. Je peux juste faire des petits... Hop. Je décolle un tout petit peu. Je peux même vraiment, limite, garder le contact avec le mur et juste sentir le poids un peu de mon corps qui se décale dans ma main. Rappelez-vous d'activer les épaules. Les pieds écartés, pointe de pied si vous pouvez, ça permet de rigidifier la jambe et d'augmenter la tenue dans votre hamstring. Beaucoup plus facile de tenir avec une jambe comme ça qu'une jambe qui peut partir dans tous les sens. Allez, encore quelques secondes avec moi. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et dernier serrement dynamique. C'est parti. Une main de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, et la dernière pour 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ouf. Ça chauffe un peu les cuisses. Dernière série, à gauche, 3, 2, 1, et c'est parti, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et la dernière répétition, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ouh, et relâchez. Dernier exercice, après je vous laisse tranquille. Là on a travaillé l'alignement, on a travaillé un peu les premières sensations de se décoller du mur et d'essayer de trouver son équilibre. On va travailler, là pour le dernier exercice, l'entrée sous la pelle en tuck. L'entrée en tuck c'est un peu technique, mais même si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, c'est à continuer à travailler simplement parce que l'entrée dans votre handstand est aussi importante que le fait de tenir la tête à l'envers longtemps. Pourquoi? Parce que plus vous êtes propre et fluide dans votre entrée, et plus cela vous permettra de tenir facilement et d'être économe la tête à l'envers. Et oui, si je rentre avec trop de force, si je rentre en n'étant pas engagé au niveau des épaules, si je rentre en n'ayant pas les pieds serrés, les jambes tendues, etc., et bien il sera beaucoup plus dur, une fois la tête à l'envers, de venir reprendre du contrôle sur toutes ces zones-là. Donc j'essaie d'être le plus propre possible également dans l'entrée dans mon handstand. Le tuck, c'est ce mouvement-là. Ce que je veux du coup, c'est rentrer dans mon handstand en gardant les genoux serrés, les pieds serrés. Et la première position est assez simple. Juste essayer, regardez bien, de venir pousser dans mes jambes et tendre mes jambes. Les deux positions que je vais faire, c'est jambes tendues. Et une fois que j'ai tendu mes jambes et que mes pieds se décollent du sol, je vais tout de suite kicker mes talons aux fesses. Ça ressemble à ça. Une, deux. Ok. Donc là, je le fais bien évidemment sans le mur. Mais vous pouvez également le faire avec le mur. C'est exactement la même chose, mais ce que je vais essayer de faire, c'est soit
kicker et retomber sur le sol, soit kicker et trouver un moment de suspension avant de retomber sur le sol, ou faire toucher mes fesses sur le mur. Si vous faites toucher vos fesses sur le mur, essayez de toucher votre mur le plus doucement possible. Imaginez que vous posez vos fesses ou le bas de votre dos contre des œufs. Hop. Et là, je touche tout doucement avant de revenir. Donc, dans cet exercice-là, je ne vais pas forcément rester en haut, mais je vais venir rentrer dans mon handstand de la manière la plus propre possible. On part sur une petite minute de travail. 3, 2, 1, et c'est parti. Bien évidemment, entre deux répétitions, je peux souffler, je réactive mes épaules, je garde mes genoux vraiment bien en face de mes coudes. Pas assez fort. Si c'est trop fort, bien évidemment, je peux me sécuriser avec le mur derrière. J'essaie vraiment d'avoir du contrôle. Hop, un peu trop fort. Si vous êtes à l'aise avec le fait de faire des rondades, c'est-à-dire placer votre main en T et tomber sur le côté, vous avez la place de le faire, n'hésitez pas à le faire. Sinon, encore une fois, utilisez le mur. Encore 10 secondes. Rappelez-vous, hein, vous ne voulez pas rester en haut, c'est vraiment juste avoir une entrée très propre dans votre inversion. 3, 2, 1 et relax. Le dernier stretch dynamique qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle les side split push-up. Alors, vous prenez un écartement de pied bien plus large que la largeur de vos épaules, okay, un écartement où vous êtes plutôt confortable. Ça stretch légèrement d'abord. Je vais poser les mains devant et en gardant le dos le plus plat possible, c'est pas ici que ça va stretcher. Je vais venir créer une petite pompe, la première répétition. Et quand je vais aller vers l'arrière, regardez bien, j'ai shifté mon poids de corps vers l'arrière. C'est là que ça va stretcher, notamment à l'arrière de mes cuisses et sur l'intérieur. On est parti pour 5 répétitions avec 3 secondes de maintien à chaque fois que je pousse les fesses vers l'arrière. Et c'est parti. 1 et 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3. 3, les deux dernières. 3, 2, 1, encore une. 3, 2, 1, restez ici, rapprochez vos mains, gardez les cuisses serrées et tenez pour 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et replacez les mains au sol. Soufflez un petit peu, celui-là il est très 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 intense, donc vous avez vu, j'ai commencé avec une largeur qui est cool pour moi, et au fur et à mesure des séries, je vais pouvoir aller de plus en plus bas. Il faut vraiment commencer à faire comprendre à son corps ce qu'il va devoir faire, et aller très 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 doucement au début. On part sur la deuxième minute, d'entrée dans mon tuck, pareil, j'y vais vraiment doucement, je peux faire une répétition par une répétition avec quelques secondes de récupération entre chaque. 3, 2, 1, et c'est parti. Hop, vous avez vu, hein, tout de suite dans mon départ, j'ai mes genoux entre mes bras, je suis très compact. Pourquoi? Parce que si je suis loin et que je pousse, je vais avoir tendance à aller vers l'avant. Alors que ce que je veux, moi, c'est aller verticalement. Donc là, tout de suite, mes épaules sont actives, je suis très compact, mes mains sont proches de mes pieds, je pousse, je regroupe, et c'est beaucoup plus facile pour moi en haut de trouver mon équilibre. Ouais, parce que simplement, je n'ai pas ce vecteur horizontal, j'ai plutôt une force qui est verticale. Allez, encore 30 petites secondes. Vous avez vu mon regard, je ne l'engage pas entre mes bras, mais je le garde vraiment proche du sol. Vraiment, c'est ma zone de repère. Je sais où je suis, même si j'ai la tête à l'envers et que c'est un peu paniquant, j'ai toujours mon repère entre mes mains et si je tombe, hop, je prends un minimum de risque, alors que si je rentre ma tête et que je regarde comme ça, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Encore 5 secondes, 5, 4, 3, 2, 1, et relax. Allez, deuxième tour, stretch dynamique, side split push-up. Je peux peut-être chercher un peu plus large sur celle-ci. Et la première répétition. 1,
Fesses arrière pour 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 5, 3, 2, 1, je rapproche mes mains et c'est parti pour 10, 9, 8, serrez vos fesses, serrez vos cuisses, 5, 4, 3, 2, 1, et relâchez. Superbe. Allez, comme vous savez, comme on l'a fait depuis le début, 3 séries à chaque fois, donc là c'est la dernière. Et après je vous laisse tranquille, on fera juste un dernier exercice pour venir renforcer et favoriser la récupération notamment de vos avant-bras, des muscles qui viennent soutenir votre problème stable. Allez, on part dans 5, 4, 3, 2 et 1. Gardez vos mains bien alignées avec vos épaules. Et si vous vous sentez moins à l'aise sur les dernières séries, c'est normal, vous êtes un peu moins frais, vous travaillez avec un peu de fatigue, donc c'est pour ça, n'hésitez pas à prendre plus de récupération. L'idée dans votre handstand, c'est d'avoir un success rate très 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 élevé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que vous devez vous mettre en échec, mais pas trop non plus, pour que l'énergie que vous développez, dans l'effort que vous allez développer pour travailler votre handstand, ben, il ne soit pas vain, il vous fasse progresser. Si vous passez votre temps à tomber, à essayer votre handstand, mais à ne pas tenir longtemps ou pas travailler avec la belle forme qu'il faut, c'est-à-dire que vous dépensez un peu trop d'énergie à côté, et c'est surtout très démotivant, parce que vous allez passer à côté vraiment des trucs fun qu'il y a dans le handstand, vraiment à savoir l'alignement, le fait de jouer la tête en bas, le fait de venir se challenger, et de pouvoir progresser après sur du wall arm handstand, etc., etc. Cool. On a fait une minute, on passe sur le side split. Et c'est parti avec moi pour 5 répétitions. 1. 2. 3. 4. 5. Et rapprochez vos mains. Et c'est parti pour 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4, 3, 2, et relâchez. Top. Alors, pour le dernier exercice, on va faire des palm lifts. Mais vous allez voir qu'on va faire la version très, très, très facile. C'est-à-dire que je vais garder mes paumes de main proches de moi, proches de mes genoux. Contrairement à ce qu'on pourrait faire en renforcement ou en échauffement. Là, je vais garder proche. Je vais garder ma première phalange collée au sol. Et je vais faire beaucoup de répétitions faciles. Et l'idée, ça va être de venir faire affluer du sang en grande quantité autour des muscles qui ont beaucoup travaillé aujourd'hui pour permettre à la fois de les renforcer, faire du bien aux tendons, éviter d'avoir des tendinites et récupérer également plus facilement. C'est parti pour 50 répétitions. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 50. Ça chauffe un petit peu. Merci à tous pour votre confiance et d'avoir assisté à ce cours-là. Rendez-vous très vite pour des nouveaux cours de handstand.